C'est un moment historique, un rêve devenu réalité. Ce vendredi 30 août 2024 à Igoumié, un quartier en plein développement dans la commune d'Ovando, de nombreux Gabonais sont devenus propriétaires de terrain avec titre foncier à l'appui. Je vous avoue que je suis très ému. Je travaille depuis 25 ans. Je n'ai jamais vu un semblant de papier comme ça dans ce centre. J'ai pourtant tenté plusieurs fois. Beaucoup de nos aînés sont retraités aujourd'hui sans un semblant de papier ressemblant à celui-là. Le président qui nous fait honneur, vraiment, je ne peux que lui dire merci. Je suis acquéreur d'une parcelle au niveau du site d'Ingoumié. Alors, je suis très honoré et très content d'être là pour la cérémonie de remise de titres fonciers aujourd'hui au site d'Ingoumié. Un événement qui marque le début d'une nouvelle ère au Gabon, où chaque citoyen a le droit et pourra, dans les faits, accéder à la propriété foncière. Je tiens à souligner que ce projet d'aménagement foncier, fruit d'un partenariat public-privé, s'étend sur une superficie totale de 120 hectares et répond à une ambition plus vaste, celle d'une ville organisée, d'un cadre de vie harmonieux et d'un développement durable. Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, la remise symbolique ce jour du premier lot des titres de propriété est la matérialisation de cette vision prônée par votre Excellence, Monsieur le Président de la République, qui vise l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. Si l'accès à la terre est fondamental et un droit humain inaliénable, le Président de la Transition se dit satisfait de cette première distribution de titres fonciers. J'ai un sentiment de fierté pour tous les Gabonais et Gabonaises qui ont des titres fonciers aujourd'hui. Amen. Et ça fait plaisir. Ce programme de lotissement dénommé « Un Gabonais, une parcelle » qui n'est qu'à sa première phase, avec déjà 500 parcelles octroyées, va se poursuivre avec d'autres phases qui permettront la livraison de près de 1500 terrains avec titres fonciers.